J'espère que vous avez vu ça. Tiens, j'en profite. Oui, vous savez, un G, il peut monter sur des choses et il peut construire comme ça des TP. Vous voyez, à des endroits, voilà quoi. Vous pouvez vous faire des dégâts pour aider vos camarades. Nice, can you Uber? Use a new Uber. Thanks. Le médic. Après le heavy, normalement, il devrait plus poser de problème si... Oh purée, je me suis fait un bump. J'ai pas compris. J'accepte le chose, ouais, trade. Alors vous voyez, vous pouvez changer des choses. Vous allez avoir un trade en direct. Vous pouvez continuer à discuter avec les choses. Vous pouvez échanger avec des personnes. Je vous montrerai ça un peu plus tard dans notre tuto. Je voulais faire un petit truc trading, mais bon, bref. Mais le problème, c'est que dès que je reviens sur Windows, ça fonctionne pas. Bon, moi, j'espère que ça vous a quand même un peu plu. Il y a un vieux spy, le mec, quoi, mais il... Voilà, je suis pas sûr qu'il soit mort, hein, mais bon, au moins... Il aura eu sa Deadringer, quoi. Là, je vais essayer de m'amuser un tout petit peu. Voilà, vous pensez que vous pouvez faire vraiment de la coopération, donc... Il y a le bug burner qui arrive là, mais je l'ai eu à la fin parce que je lui ai fait des dégâts. Là, faut pas vraiment avoir peur, hein. Il y a vraiment le début. Les débutants, ils ont peur de se faire péter une roquette. Si quelqu'un est sur vous, vous faites péter une roquette, hein. Vous allez mourir de toute manière. Donc vous avez peut-être une petite chance de pouvoir détruire... Ouais, il y a une Natacha là. Ça, j'avais pas vu ça depuis très longtemps, une Natacha sur moi. Hein. Voilà, si vous avez une Natacha sur les fesses en étant joué en Pyro Soldier, un truc comme ça. Voilà. Vous avez vu l'endroit où il a mis son TP, hein, c'est une bonne... Bon. Bon, c'est bon. Voilà, il a pris le pack de vie, je suis mort. Je suis mort si je me fais pas... vous avez vu, il a pris le pack de vie, j'ai pas fait le kamikaze. Hein. Maintenant, connaître bien les packs de vie, prendre la vie... Ouais, vous avez vu, quoi. Après, vous voyez, hein, j'ai fait des dégâts hein, là, par rapport à tout à l'heure. Il y a un vieux spy, non? Oh, il y a un spy, là. Vous allez forcément le percuter, hein. C'est un spy 1G ça. Alors malheureusement que je peux rien faire. Le vieux spy. On va essayer de capturer le point. Voilà. La vieille classe. Les mecs qui découvrent le jeu quand même. Hein. Bon là je vais essayer de backcap. Vous savez ce que c'est. On va essayer de... Désolé pour le médic. Hein.
Bon, vous voyez, hein, j'essaye vraiment de faire une session. Cette map là, elle est vraiment idéale pour les jumps et choses comme ça. C'est une map de war équilibrée. Et vraiment, on peut mesurer votre skill quand vous jouez soldier. Quand vous faites ça, bah, vous voyez, j'en ai deux soldiers là. Allez, au dernier rush sur la dernière map. Allez, on va être à deux. Ah, bah, il y a un vieux. Bah, vous voyez, hein, je suis dans les top scores. Bon, bref. Alors, je suis hors connexion. Hein. Bon, il faut un petit bonus. 5 minutes et après vraiment je me déco, mais bon vous voyez hein, c'est pas très très dur hein. J'espère que vous avez eu plaisir à me voir, à voir vraiment les choses dans les actions. Les actions sont vraiment pratiques. Soldier, moi j'aimais pas au début, j'aime beaucoup jouer solo, choses comme ça. Vous pouvez débloquer des situations avec un peu de stratégie, d'analyse de situation. Beaucoup de personnes ne seraient pas capables de faire quoi. Bon allez, je vais faire un jump, vous voyez, sur le point, comme ça. Bon, bon vous avez vu hein, j'ai essayé de. Là je vais essayer de prendre. Spy. Il y a un vieil rock rush de. On va essayer de cap l'autre truc et après. Putain mais c'est dingue hein. Oh purée, et puis alors il y a le Natacha qui me qui me prend par derrière alors que je recule. Énorme, bon bref. Dédicace à celui qui me disait ah mais tu te fais dominer. Ça j'adore, je l'oublierai pas sur le commentaire de YouTube. Énorme. Pas mal en spy hein, mais tu te fais dominer. Bien sûr, bah, joue contre des pyros, tu vas voir. Si tu joues contre des bots, c'est sûr tu te feras pas jamais dominer, hein. Ça c'est sûr et certain. Deux d'un coup, tiens. Vraiment, quand vous percutez quelqu'un, notamment le spy. Voilà, ça c'est fait. Oh là, l'Uber. Oh purée, on va se faire exploser. C'est le nouveau truc du pyro qui est Uber énorme, hein, mais qui peut pas éteindre des gens, quoi. Faut l'avoir. Voilà, ça c'est fait. Alors quand vous faites une roquette critique, quand vous êtes Uber crit, je peux vous garantir que vous faites un carnage. Allez, on va essayer de. Vous voyez, je sais pas si vous avez vu. Vraiment surprendre vos adversaires avec un. En soldier, c'est vraiment le truc le plus important à faire. J'essaye de capturer, je vais passer derrière, vous voyez, et je vais faire ça. Enfin, je vais me faire niquer là. Oh purée, parce que là j'ai plus que 23 HP, hein, donc ouais, bah. Alors le problème avec donc ce nouveau truc du pyro, c'est que vraiment vous êtes fort de face, mais alors si vous prenez un coup de feu, je peux vous garantir que là vous le sentirez. Allez, on va. Oh purée, il y a une sentry. Il y a une sentry sur le point. Ah, vous avez vu, hein, je me suis mort avec ma roquette, mais je m'en fous quoi. L'important c'est que j'ai capturé, que j'ai. Ouais, c'est quoi ça? Une vieille pape?
Bon, je vais essayer de capturer le point en faisant un méga jump. Vous avez vu, hein. Là, vraiment, il y a une grosse session de ma part pour vous montrer ce qu'on peut faire avec choses. Alors, si j'avais une pioche, ça serait très facile pour moi. Non, le problème, c'est que j'ai pas de pioche. Donc, damnet, ouais. Bon, j'espère qu'en tout cas que ça vous a vraiment plu, hein, que j'ai essayé de montrer. Voilà, bon, bah vous voyez, le Pyro, il a aucune chance. Là, c'est vraiment génial quand vous jouez solo, mais face à des soldiers, vous sortez des soldiers, ça calme. Hein. Allez, je vais essayer de monter sur le point, vous voyez. Oh purée, il y a une vieille sentry. Oh putain, j'ai presque réussi à me venger, quoi. Bon, Soldier, c'est vraiment le truc le plus créatif, moi, pour moi. C'est-à-dire, vous pouvez sauter dans tous les sens, jump, inventer des frags, bref. Ouais, vous avez vu, hein, oh putain, ça, c'est un spy. Je sais pas si vous vraiment si vous voyez que c'est très très plaisant à jouer soldier. Bon bah maintenant il reste plus que il y a un spy dans le coin mais je sais pas où il est. Ok. Il a combien d'HP ce mec là? Parce que je l'ai bump hein, mais il est pas mort. J'ai cru entendre un déclic, donc c'est pour ça que. Ils sont tous paqués, alors j'aimerais bien. Ouais, voilà, on va gagner normalement. Ah, bah vous voyez, je suis top score. Donc je vous remontre une dernière fois avant de m'arrêter et de vous montrer tout ça. Donc je rappelle que je dédicace à Snow hein. Donc vous avez le lance-roquette, le fusil à pompe et l'appel vraiment en dernier recours contre un spy, des choses comme ça, ça c'est le truc de base, mais vraiment je joue souvent avec ça, honnêtement. C'est, vous avez vu hein, j'ai pas changé mes armes habituelles. Après j'ai des sets un peu alternatifs, vous voyez, je joue essentiellement à ça quoi. Mince, ouais voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez eu plaisir à me voir jouer, j'espère que vous ferez des progrès par rapport à ça. Donc s'accroupir, faire un saut, ça peut vraiment aller sur des grandes zones, hein, je vous remontre. Par exemple là, je remonte. Mince. Voilà, bah c'est là où je veux montrer un truc que ça va pas marcher, quoi. Vous voyez les enfants? Bon bah. Alors évidemment ça vous fait des points de dégâts, hein. À chaque fois vous vous touchez. Il y a seulement avec les bottes de sûreté que vous allez pas prendre de moins de dégâts. Alors attendez, je vais quand même vous les montrer. Parce que ça peut être utile quand même par rapport à ça. Vous voyez les bottes de sûreté. Moins 60% de dégradation sur les sauts propulsés. Je vais quand même vous le montrer. Bon là je vais me faire un dégât classique. Hein. Voilà quand même. Parce que ça c'est quand même pratique et c'est vraiment un truc voilà, hein, vous voyez mes dégâts. Bon voilà, je vais me faire exploser et je vais faire un petit saut avec ça, vous allez voir. Vous voyez hein, vous prenez rien du tout quoi. Si vous êtes un soldier qui font des frag movie, des trucs comme ça, bah, un petit conseil, jouez bot de sûreté par rapport à ça, vous allez pouvoir faire des rock and jump dans tous les sens. Allez, je vais vous en faire un. Allez, c'est parti. Hop. Pouvez hop repartir, hop hop. Je sais pas si vous voyez hein. Bon, je fais un peu le con pour les dernières secondes. Donc vous aurez d'autres tutos sans doute début janvier hein, sur le soldier, parce que là je crois que je vais m'arrêter là. Celui-là il est super long, donc je vais peut-être passer en deux parties ou le faire en entier. Tiens, ceux qui voyaient Valve Giftcraft, c'est que quand vous tuez les personnes vous pouvez récupérer des petits cadeaux et vous avez un succès. Donc je vous remontre, mince. Quand je veux faire des beaux sauts, j'y arrive pas. Je vais juste vous montrer ça. Alors je vous montre quand même le score à la fin, hein, vous voyez. Hein. Bon évidemment, team d'ingé, on va pas faire grand chose. Je vous remontre. Donc je vais essayer hein, de faire des jolis sauts.
Un saut, deux sauts, trois sauts, quatre sauts, cinq sauts. Et voilà, et vous pouvez vous amuser comme un fou à jouer par rapport à ça. Et vous avez un super critique qui permet de vous envoyer des roquettes critiques. Et là, vraiment, faut viser les pieds, paquer tout ça. Et je vais essayer quand même de rester là. Ok, il y a une sentry, donc on fait du yo-yo. C'est Uber. Vous voyez, hein. Bon, là, il faudrait avoir la sentry. Déjà, je vais avoir le dispenseur, vous voyez. Voilà, déjà la mitrailleuse, elle est morte. Mitrailleuse morte. Linger, toujours linger, si vous pouvez. Parce que là, bon, le mec il veut pas me mettre du beurre, ça c'est dommage. Vous voyez, hein, je suis super offensif, mais c'est ce qu'il faut l'être. Hein. Putain, le mec... Ouais, c'est tentant, hein, mais putain, mais ce TP qui est... Combien il faut de taper pour... Ok, il y a du monde en dessous. Allez, je me fais vraiment plaisir, là. Hein. Ok, bon, la nouvelle arme, il rush comme un fou. Vraiment, si vous l'avez, cette arme-là, faut sauter, éviter, cheater. Elle doit être facile à récupérer. Hein. Je pense que la Natasha va revenir en force parce que face à ça... Ok, il y a un vieux médic là. Enfin, mais j'allais le finir avec la... Il me heal pas ce mec hein. Vous les prenez par derrière, vous voyez hein. Bon. J'essaye vraiment de... secours rapide de merde. Ah, il s'est pris une critique, le mec. Ça, c'est puissant. Hein. Allez, je vais sans doute faire un deux parties. Désolé hein, pour le côté deux parties, mais bon. C'est trop fun à jouer. Ok. Oh purée, je me suis pris une de ces. Je sais pas si vous voyez. Ouais, je me suis fait avoir parce que voilà quoi. Mais bon, il y avait une sentry. Je pouvais pas. La sentry était au fond à gauche. Je sais pas si vous avez vu quand. On pourrait revenir en arrière. Hein. J'ai essayé de la visualiser en maximum. Mais bon, voilà quoi. Oh putain, je me suis vraiment amusé comme un fou sur ce tuto. Hein. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte. Hein. Bon après il n'y avait pas des grands joueurs, hein. je peux pas faire des trucs aussi exceptionnels, maintenant vous verrez, hein, vous aurez des gens qui... j'essaye de me sauver mais c'est trop tard. Secours rapide c'est vraiment de la merde hein, mais vous le savez ça depuis longtemps. J'ai dit petite 20 000 fois, 30 000 fois sur mes tutos. Donc voilà. Allez, un dernier rush. Vraiment j'espère que ça vous fait plaisir parce que moi j'ai grand plaisir. Hein. Je pense que j'ai fait une vidéo trop longue. Donc...
Bon, bref. Ouais, la super critique. GG à lui. Oui, voilà quoi. Hop. Bon, voilà. Il n'y a pas une Uber critique, oh purée. Le médic, toujours, toujours le médic. Voilà. Alors la grosse erreur que font beaucoup de gens dans cette map, c'est qu'ils restent là. Il y a un spy déjà là. Là, vous pouvez vous faire rusher. Non, pardon, je remonte un peu plus loin. Là, vous voyez, hein. Là, faut pas parce que vous pouvez vous faire rusher à droite et à gauche, bah, comme les deux oiseaux là. Donc évitez, hein. Ah, ça c'est tentant, mais ouais, dommage. Voilà. Allez, c'est parti. Un petit cadeau. Il y a deux médics, hein. J'adore le démo qui se fait. T'as le médic quand même qui rush à la pipe. Oh purée, j'ai eu le médic, mais j'ai pas eu le soldier qui a perdu son Uber. Je sais pas si vous avez vu. J'étais bum vers le médic, j'ai tiré une roquette, je me suis fait exploser. Et puis voilà quoi. Bon, bref. Le but c'était ça quoi. Alors là on a une team d'ingé, team pro. Ouais, pouvait pas. Bon, j'espère que ça vous a plu, hein, vous voyez mon score. Hein, bon après, moi je suis pas un G, hein, donc je peux pas des TP, je campe pas, c'est une situation de camp. On peut pas faire grand-chose. Hein. On peut pas débloquer sans médic et sans médic normal, quoi. Vous voyez les sticky, vous pouvez les détruire avec vos fusils à pompe. Ah oui, mais j'ai pas de fusil à pompe, puisque j'ai les bottes de sécurité. Hein. Je vais me faire exploser, ça c'est sûr et certain. Bon, bah ok. Trois ingés au même endroit là, une Uber, vous êtes mort. Hein. Bon, bref. Bon, je crois que je vais vous laisser, Jones. Y aurait une Uber normale, il serait mort. Hein. Ok. Alors, on va aller sur le point. Ah, il y a une petite sentry niveau 1 déjà là. Je vais essayer d'aller sur le dernier point en mode trapiche. Donc j'espère que Snow, si tu vois ce vidéo, bah tu te marres et que tu te dis. Ouais. Oh putain, non, je suis pas en mode trapiche. Je suis en mode trapiche derrière eux, je sais pas si vous voyez. J'ai pas réussi à monter, je voulais monter en haut, mais j'ai pas envie de prendre des packs de vie parce que je vais me faire flaguer là sinon. Peut-être que quelqu'un va me repérer, hein. Mais je veux pas être vu et je veux être en mode trapiche. Voilà, je vous expliquerai ça un peu plus tard dans un autre tuto, qu'est-ce que ça veut dire et ce mode trapiche et tout ça vient. Ça sera dédié à d'autres personnes. Oh bah non, 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 je veux que ça soit capturé. Bon bah. Il me voit pas, hein. Non, il me voit pas. Je vais prendre les packs de
de vie ici. Je sais pas si vous voyez. Je vais attendre des packs de vie ici. Il est toujours là, ce petit pack de vie. Hein. Il y a un pack de vie un peu plus loin, mais qui est un peu trop visible. Ça serait bien qu'il y ait un spike qui backcap le dernier. Bon bah ça va être à loose. On va perdre. Vous voyez, donc je suis à leur base, il y a un vieux TP. Voilà, bah là je suis trapiche comme ça chez eux. Je sais pas si vous voyez. Hein. Donc vous voyez leur dernier point, on va voir, hein. Si on perd c'est pas grave. Je vais perdre un peu de temps, c'est pas grave. Je vais rester sur mon point. Je suis en botte de sûreté, hein, je vous ai dit, hein, donc je remontre. Elles sont vraiment très pratiques. Je vais en profiter pour faire ça. Alors ça, je vous montrerai les différents buffs. Hein. Vous avez buff drapeau, le bison vertueux, le tireur Zervitz. Vous aurez... Alors ça, c'est l'objecteur de confiance un peu pour toutes les classes. Hein, donc c'est pas vraiment super utile. Pain Train est très facile et très bien parce qu'il peut capturer le point. Bon, vous voyez, hein, j'étais dernier point. Bon, bref. Ils pourront pas me trouver. Voilà. Il n'y a pas de ton kill avec les trucs classiques, hein, je vous le dis, voilà, avec le fusil. Hein. Donc j'espère que ça vous a donné envie de jouer Soldier, hein, que j'ai une... et que j'ai eu énormément de plaisir. Ciao à tous et à toutes. Laissez-moi vos feedbacks, vos commentaires, et j'espère vraiment que ça vous a plu, quoi. Ciao.